Ok, bonjour, bonjour à tous, les amis. Bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec normalement Coin de Troyes qui est là. Oui. Il réapparaît d'un seul coup. Je l'aurais pas. Voilà. D'ailleurs, c'était marrant, dans le journal, c'était un journal anglais, mais avec marqué rue morgue en Oui, français. c'est ça. Alors, ça se passe à Paris. C'est pour ça que Ah. la rue, c'est bon. Donc, on est parti pour un nouveau jeu d'objets cachés sur la chaîne qui s'appelle donc, comme vous le voyez, Dark Tales, double assassinat dans la mémoire, par Edgar Allan Poe, puisque ce jeu est inspiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Écoute, Qui ça a l'air cool. s'appelle Double Assassinat, mais bon, C'est gay. c'est gay, voilà. Au moins. Déjà, le nom de la rue, t'as pas envie d'habiter dans une rue qui s'appelle comme ça. C'est ça. Du tout, rue morgue. Ah, ok. Ok, je ne juge pas. Rue morgue, Chacun sa place du vie. cadavre. C'est ça. Donc, en fait, Dark Tales, c'est une série de jeux d'objets cachés. Il y en a 11 qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui. Celui-là, Quand c'est le même. premier. Et chaque jeu est basé sur un roman d'Edgar Allan Poe. Et Écoute. dans celui-là, on a ce fameux détective qui s'appelle Auguste Dupin, qui est un peu à la Sherlock Holmes, c'est-à-dire il a une capacité d'observation incroyable, il détecte tout de suite quand il y a quelqu'un qui ment et tout, enfin voilà. Donc c'est un petit peu Il s'appelle le Dupin. précurseur du pain, voilà. Vous verrez du fromage avec votre pain. donc c'est oui, et d'ailleurs Conan Doyle qui a fait Sherlock Holmes déclare lui déjà que c'est un de ses héros préférés, Auguste Dupin. Je pense qu'il s'est inspiré de lui pour faire Sherlock Holmes. Donc ça vous dit déjà la gueule du mec, si vous connaissez. Donc voilà. Et dans ce jeu, donc on va essayer de résoudre une enquête avec lui, puisqu'on est son assistant, normalement. On n'est que assistant, quoi. C'est ça, ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà mal, ouais. Et voilà, donc tous les événements que vous allez voir, les personnages, les trucs, le coupable à la fin, c'est pareil que dans le bouquin. Ok. Et d'ailleurs, le Oh, heureusement que je ne les ai pas lus, du coup, donc. Ouais, c'est ça, hein. Si vous n'avez pas lu, vous pouvez découvrir comme ça. Et d'ailleurs, le coupable à la fin est assez inattendu. Je vous en dis pas plus. On va juger avec ce jeu-là, et puis on verra si on a envie de faire les autres. Ouais. C'est ça, ouais, voilà. Parce que je me dis, si lui c'est le premier, c'est sans doute entre guillemets moins bon. Oui, c'est ça. C'est le coup d'essai, quoi. C'est ça. Donc on Alors, va on tester. est en édition collector, donc chapitre bonus. Donc il y a 9 chapitres plus un chapitre bonus. Ok, nice. Alors Écoute. le chapitre bonus, il est là en fait. Mais on peut pas le faire tout de suite forcément parce qu'il faut terminer d'abord l'aventure C'est principale. creepy, genre l'œil sur la porte, Ouais, c'est. quand tu me dessus avec les deux bonhommes là qui soutiennent les côtés. C'est clair. Et c'est Ok. là-dedans, en fait, le chapitre bonus, c'est cette zone ici, une zone supplémentaire avec des énigmes et des scènes. Mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, donc. Ouais, c'est genre juste maintenant que t'as terminé, lâche-toi sur les énigmes quoi. C'est ça. Donc on verra C'est si on toutes le les fait ou énigmes pas. qu'ils ont pas réussi à mettre dedans, C'est qui mettent à ça. la fin, moi genre on les a quand même fait. On avait fait ça, on n'a pas envie de les jeter, donc on les met là. Donc on verra si on le fait ou pas, si on est super fan, on prolongera le plaisir, mais c'est bon. Ouais, on verra. En fonction de l'aventure, j'avoue que. Je sais pas trop à quoi m'attendre, ça part bien parce que c'est genre des enquêtes et tout, moi j'aime bien. C'est ça. C'est un peu plus sombre et tout, donc ça va me plaire, mais après, on sait pas. On sait pas, On sait pas. on va voir. Donc on est parti pour ce jeu. Alors je crois voilà, on peut choisir le mode. Donc normal ou expert, on va prendre normal, parce que. Ouais, le but c'est l'histoire quand même. C'est ça, ouais. Ok, donc on est parti pour ce Ah, jeu. écoutez. Ah, ben voici justement. Bonsoir monsieur, mon nom est Auguste Dupin, voici le détective. Vous êtes ici pour l'assassinat qui a eu lieu il y a peu dans la rue Morgue, je présume. Oui, c'est. Vous êtes impatient de commencer votre enquête. Oh oui, apprends-nous. Oui, un meurtre. Oui, Oui. apprends-nous tout ce que tu sais. Oui. J'ai une certaine expérience en matière de vérité irrévélée, et je tiens à vous transmettre mes connaissances. Ah bah c'est gentil. C'est ce que j'allais dire comme c'est gentil. Bon. Quelle délicate attention. C'est ça. On est son docteur Watson, en fait. Ouais, ça fait ça. Votre première tâche consistera à fouiller mon domicile, qui est derrière, là. Soyez attentif et ne négligez rien, même le plus petit détail peut avoir une signification profonde. Faites confiance à votre instinct et la vérité cachée sera révélée. Cool. Mais Ok. passez pas trop de temps à suivre la même piste, car la clé de l'énigme sera dévoilée en temps voulu, il n'y a pas de temps à perdre. Oui. Bon. Je stresse déjà, c'est. Alors, Ouais, pas d'aide. pareil, pas de temps. Oui, bah écoute, c'est toi qui perds du temps à C'est toi parler qui là. parles là. Oui. Voilà, donc là il va nous tester un petit peu avant qu'on aille avec lui sur l'enquête. Fouiller chez moi et trouver mes secrets. C'est C'est un ça. peu creepy, monsieur.
veux pas découvrir mon secret. Alors, donc notre inventaire est en bas, comme d'habitude. Ça, c'est le petit bouquin avec nos notes. D'ailleurs, je trouve que l'habillage est beaucoup plus léger que sur d'autres jeux. Oui, c'est vrai, il y a juste ça, puis ça. Et même les deux trucs qu'il y a, ils ont des zones de transparence. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Puis l'inventaire est petit, parce que vous voyez, il y aura maximum ça en objet. Parce que Ouais, c'est bien. c'est bien. Que Alors. de bons points accumulés. Putain, on dirait le temps qu'il fait dehors, dis donc, c'est génial. Soit il pleut pas chez moi, mais. Alors. Ce belvédère est magnifique, on n'a pas le temps d'admirer l'avantage. Super, d'accord. J'avoue qu'il pleut. Il y a Là, des. tu restes immobile dehors, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Même l'assassinat des plus singuliers. Ah voilà. La main qu'on a vue dans le trou. Avec la touffe de cheveux qu'il y avait dedans. Ouais, c'est dégueulasse. Alors, suite à l'incident survenu à la rue Morgue, je me suis rendu chez le détective Auguste Dupin, espérant qu'il puisse m'aider à trouver la vérité. Il est connu pour son esprit vif et son attention aux détails. Si quelqu'un pouvait donner un sens à tout cela, c'est sûrement un chevalier de la Légion d'honneur. Oui, parce qu'il est chevalier de la Légion d'honneur aussi. Rien que ça. Dans le livre. Son premier test pour moi consistait à parvenir à entrer dans son domicile. Pas étonnant, Dupin a toujours été passionné d'énigmes, de casquettes et de devinettes. Ça tombe bien, ça. Donc le mec est tellement bon qu'en gros il dit ouais, je vais prendre un novice, je vais lui apprendre et c'est lui qui résoudra pour moi. C'est ça. C'est quand même ça hein, le truc. Mec. Parce que le mec est tellement fort que logiquement il pourrait le faire tout seul. C'est clair. Donc ça, c'était là. Hein. Ça se trouve, c'est lui le coupable en fait. J'avais déjà les théories. C'est clair. Alors. Donc il faut qu'on rentre. Alors il y a les Le petits mec est trucs. quand même bonne baraque quoi. Ouais, c'est clair. Il y a les petits trucs qui clignotent hein, pour vous montrer où c'est. Vas-y, casse chez lui, tu Sa maison est déjà pétée. C'est ça. Alors, on a trouvé une partie de la serrure, ça vous aidera à réparer la serrure de l'entrée. Donc le mec pouvait... En fait, le mec peut pas rentrer chez lui, il dit... En fait... Ouvre-moi s'il te plaît, je suis tellement con. C'est le mec, il a un esprit vif, mais il sait pas rentrer chez lui. C'est exactement ça. Ah oui, c'est la deuxième petite morceau. Bah si, c'est là. Si, c'est là. Je pense pas avoir besoin de ça. Si, je te jure que C'est t'as autre besoin. chose, je pense. Peut-être qu'on n'a pas fini d'observer un peu tout autour. Peut-être qu'il faut de la glu, j'en sais rien. Fabriquer de la colle. Ah oui, peut-être. On sait fabriquer de la colle maintenant. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord. Ah, il faut la clé avec. Il a germé la clé, quoi. Il a gerbé une clé. Il a régurgité la clé, c'est dégueulasse. Alors là, ça devrait suffire, non? Ah, il y a un truc là-dedans. Il prend son courrier. Ah non, une copie Allez. du journal du soir que la pluie n'a pas mouillé. Cool. Ah ouais, parce que c'était illisible avant, d'accord. Ok. Ok. Super. Je peux pas le lire, hein, je peux pas le lire. Du coup, là, ça devrait être bon, a priori. Ouais. Mais fuck! Ce n'est pas tout à fait ça. Il est sérieux. D'accord. Bon, il y a autre chose, apparemment. Qu'est-ce qu'on aurait pu louper? Ah, y'a. Ah bah. Il y a un truc derrière le courrier en C'est de la fait. colle, c'est de la glu. Ah, bah je l'avais dit que j'avais parlé de Ouais, colle. putain, Comme quoi, j'ai quel un esprit fin. esprit. T'as un esprit vif comme lui. C'est ça. Si je suis aussi malin que lui. Franchement, ça serait marrant si à chaque fois j'arrive à deviner Avant lui. avant lui les trucs qu'il nous a prévu de faire, quoi. Ce serait marrant, effectivement. Après, je veux pas dire, hein, mais mettre la colle comme ça dans la serrure, genre faut faire gaffe, hein, parce que si tu la mets mal, là tu la fous dedans, et du coup c'est. Ouais, ça Tu bloque la verrouilles la serrure. T'es content là? Voilà. T'es content là? C'est bon, on a réparé chez toi. Clac. C'est là la tête du truc. Vas-y, faut tourner combien de fois ta serrure là? Déjà, il te fait tourner chaque clic, tu sais. C'est clair. Alors, vas-y, rentrer chez lui. Ok. Oui, monsieur est quand même Ah avec oui, chaud non, quand c'est. même. Ouais, quand même. Pff, le mec se bat bien. Dès l'entrée, il y a déjà des fauteuils avec de l'or et tout. Ouais, c'est clair. Le gars est sérieux, Ah, quoi. ouais. Descends à briquet, ok. Ok. Alors regardez notre capacité d'observation incroyable. Après, ça, il y a des trucs qui brillent, donc ça va. Ouais, c'est ça. On va ouvrir là, ok. Et ça, c'est quoi? L'antichambre de Dupin est plutôt agréable, quoique un peu spartiate. Quelques tableaux, des chaises, des cheminées, rien de plus. Cependant, ouvert sur la table, il y avait un livre assez modeste qui comportait le schéma d'un détaillé d'un scorpion. Ça aurait une signification particulière? S'il l'a laissé là, sans doute. Sans doute, ouais. Ok. Ah, il y a un trou là. Ouais, j'avoue. T'as la commode aussi. Dupin devrait probablement faire réparer ça. J'avoue, la marche devant chez lui, ici son plafond, mec. Alors on a notre première scène ici.
Ah, on va voir à quoi ressemblent les scènes d'ici, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose que Columbus, je crois. Alors, carte de vœux, pour moi, c'est ce qui est au plein milieu de la cheminée au-dessus. Ça ? Ouais. Ah ouais. Non ? Si, yes. Oui. Yes. 4 clés. 4 ? Putain. Ils sont gavés. Aussi. Ouais, il y a pas mais mal. Il y a une sur la commode, ouais. Ouais. À chaque fois, c'est comme ça, il y a 4 machins, 2 trucs, 3 trucs. Au-dessus de la cheminée aussi, t'as un genre de tableau, et en bas de ce tableau-là, enfin sur le truc doré, t'as une clé. Ah oui, là. Elle est dorée sur dorée. Voilà. Là aussi, son salaud, il est doré sur doré. Ouais. Bon, pour l'instant, il change pas la couleur encore. Non, c'est vrai. Couteau en bas. Ah, par contre, il y a des trucs qu'il faut ouvrir pour. Ok. Faut penser à ça aussi. Ouais. Couteau à gauche, t'as un couteau posé sur une planche à découper. Crevette. Ah, la clé, là. J'ai vu un poisson, là. Ah, le poisson, bah tiens, je l'ai vu. Il est en haut sur le tableau de droite. Ah oui. Ah, il ressort bien, celui-là, quand même. Ouais, ça va. C'est pas trop salaud avec ça. Pour l'instant, en tout cas. C'est la première. On va pas juger trop vite. Ouais. Par contre, le fruit d'églantier. Ouais. C'est un fruit. Oui. Ah, c'est ça, je crois. Non ouais, c'est ça. Trace de pâte. Ah, je l'ai vu, là. Ah, joli, je l'avais pas vu. Les pipes. Putain, alors les pipes, je crois qu'il y en a à toutes les scènes, c'est un truc de ouf. Bah écoute, c'est comme les chats. Ils aiment les pipes. Le jeu d'avant. C'est ça, ouais. Ils en foutent partout. 4 nœuds. Ah, on n'a pas cherché les nœuds encore. Ah oui, là. Ouais, j'ai jamais les nœuds. T'as un héron qui se balade, mais alors. Ouais, voilà. Ça s'en est un, ça aussi. Non, pas du tout. Ok. J'ai essayé. T'en as un sur la. Tu vois l'horloge qui est sur la commode ? Ouais. Et bah au-dessus, sur le machin qui fait. Ah oui. Voilà, t'en as. Sur l'abat-jour. Voilà. J'avais plus bruit. Voilà. Mais c'est exactement ça. Ne crevez. Bah, pour l'instant, ça a l'air d'être respectueux des couleurs. Ouais. Par contre. Donc a priori. Ah, mais... Bon, les nœuds, voilà, il n'y a pas de couleur, mais. La crevette, par contre. Du coup, la crevette devrait être plutôt rose. Rose, ouais. Alors, il y a du rose là. J'allais dire dans la boîte à chocolat, peut-être, c'est dégueulasse. ça serait méchant pour celui qui tu offres la boîte, mais. Ah, il faut ouvrir là. Ah, oui, c'est vrai que c'est possible. Oh là 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 là, c'est sale. Ok. Faut faire gaffe à ça, ouais. Ok, il va falloir être plus attentif à ça. Ouais. En vrai, il y a une main dans les trucs que tu peux ouvrir. Donc... Ah, oui, du coup, tu le vois un peu la souris, quoi. C'est bon, il n'y a pas d'autres trucs à ouvrir. Hein. Ou à soulever, ou je sais pas. Une bouteille de vin, ça. Bah, vas-y, toi qui as fait un poison. Ah, oh putain, d'accord, ok, ouais. Alors, ça, par contre. Lui, je l'avais pas vu par contre. Ça, c'est. Ouais, il y a des trucs en dessin sur le décor comme ça. Ok, ça va être. Ouais, ça va être oh, je vais moins aimer. Je vais moins être fan. Sérieux, cette crevette là. Bon. J'arrive pas à voir la crevette. Je vois des objets. Ouais. Enfin, je vois des trucs, mais. On a l'indice. Vas-y, au pire. Ouais. Oh là. Ok, sans te mentir, je te promets que c'est là où j'hésitais. Ah. Parce que j'ai vu sur l'autre côté, il y avait une feuille, et du coup, je me suis dit, forcément, il y a un truc. Mais ouais. J'ai hésité, je me suis dit, non, ça ressemble pas à une crevette. C'est clair, c'est quand même bien caché. Ouais. Alors, on a une pièce de monnaie, je sais pas pourquoi. La fortune. Ah. Ah. On peut fouiller chez toi, j'espère. C'est ça. Je sais, ça dérange pas trop. Une pièce d'un briquet. Okay. Bah, on a le truc là. Ouais. T'as l'essence, t'as les pièces dans le cave. Ah, pour ça ? Ah bah oui. Ah, du coup, il faut retrouver une bougie. Ouais. Fuck. Non, la pièce est super éclairée, mais il demande quand même... Surtout, je trouverai une bougie. S'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Ça est une valeur inestimable, ok. Désolé. Fais ce que tu veux chez... Alors, fais ce que tu veux chez moi, mais... Touche pas à ça. Respecte-moi, quoi. Respecte mes tableaux, s'il te plaît. On peut aller là-bas. Oh... Wesh. Okay, ok, tout va bien. C'est assez particulier chez toi. Toi aussi, faut que tu penses à faire le ménage. C'est très bien. Il y a quand même une tri à faire. Là. C'est quoi ça ? Ah ! Diable, qu'est-ce que c'était ? Diantre ! La remise, c'est sa remise. Ah, c'est sa remise, d'accord, c'est pour ça. Ça explique. Bon Dieu, j'en crois pas mes yeux. C'est une façon de parler, quoi. Je n'en crois pas mes yeux en fouillant la remise de Dupin, une silhouette des plus maléfiques est apparue dehors à la fenêtre. Ça
Ses yeux comme embrasés m'ont fixé un instant, puis la silhouette a disparu. Que voulait-elle? On ne sait pas. Écoute, on n'a pas eu le temps de lui demander. Si sa remise reflète quelque chose, c'est bien la vie passionnante que mène Dupin. Son problème à ranger aussi. Ouais, c'est clair. Et pleine de bizarreries accumulées au cours d'une vie passée à résoudre des crimes et des mystères. J'en ai plus particulièrement un coffre décoré d'un scorpion. Ah. Ah, mais ça... n'a-t-on pas vu un scorpion plus tôt? C'est ça. Déduction. Ça va, les déductions sont pas trop verchées. Ça va. Ah oui, là. Oh, c'est le plan. Faudra le refaire comme il est, je pense. Vu comment elles étaient, normalement ça allait. Enfin, genre, elles sont juste repliées sur elles-mêmes et ça fait un genre de carré, triangle. C'est ce qui articule la queue du scorpion pour positionner cette dernière correctement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ah ouais, faut cliquer sur les petits boutons roses en fait. C'était comment déjà? Je sais plus exactement, mais en tout cas c'était une forme facile à. Ouais, c'était aligné quoi. Putain, je vois rien. Mais si elles sont alignées, en fait ça monte ouais. De façon droite, après bah ça part droit, ça descend. Ah bah les deux premiers sont bons je pense. Ouais. Et c'est juste le dernier qui manque là. Il faut réaligner pour que ça fasse un chenille avec toi. Juste celui-là. Ils sont pas fait chier. Ah non. Non du coup, tu tournes celle d'au-dessus. Ouais. Voilà. Et il faut juste que tu ramènes le pic un peu plus... Les deux sont droits là, et puis après... Ça... Ouais, c'est bon. Il n'y a plus que le pic à ramener à peu près... Ah ouais. Oh joli. T'as vu ça? T'as vu ça du pain? Mais bon, hein? Alors, t'es impressionné que j'ai réussi à ouvrir ton coffre alors que tu m'as mis l'indice sur la table d'avant? C'est ça. 042, ok. Une fois le coffre ouvert, j'ai vu qu'il contenait une petite planche en bois sur laquelle était inscrit le numéro. C'est vrai qu'un tel coffre robuste ne contient que une chose si simple, oui, c'est vrai. Ok. Avec du pain, il y a toujours une raison. Ok. Qui nous a fait son petit parcours d'indice là. Écoute, le mec c'est amusé chez lui. C'est ça. Un petit escape game comme ça là. Ah, la musique. Non. Que je n'entends pas du coup, mais que j'entendrai quand je réécouterai la vidéo. Non, mais il n'y a pas de musique. Tant pis. Ok. C'est quoi ça? C'est un bébé en argilite. Ils sont mignons mais très dangereux, super. C'est la tête d'un dinosaure. Ok, pourquoi pas. Là, il y a une scène, et là, une scène. Et ça, c'est quoi? Allez, bah, choisir. Tac. Ah. D'accord. C'est d'un glauque. Pourquoi t'as un squelette chez toi, mec? Ouais, genre, mec, calme-toi, en fait. C'est un mec. Sauf qu'il y a un mec pour le faire monter, tout genre, c'est... Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui l'a pas réussi à sauver, c'est... Oh là là, je regrette tout. C'est ma première enquête. Ah, bah voilà. C'était bon temps. Ouais, bon, ça va, c'est pas trop dur. Le chiffre c'était quoi? 04 0412. Ah, bien. 1 ou 2, c'est bon, on a le cerveau. T'as vu du pain, notre mémoire? Regarde, là, il n'a aucune chance. Deux cerveaux contre lui. Clac. Pourquoi on veut un squelette? Je sais pas. Ah, il nous donne un truc. Il nous donne un truc. Cadeau. C'est plus pain. Oh, bah merci. Ah ouais, du coup on peut se barrer, ça y est, c'est bon. Merci, ciao. Des énigmes. On est riche. Le coffre ouvert, j'ai vu qu'il contenait une petite planche en bois sur laquelle était inscrit les numéros. Ouais, ça j'ai vu. Ça c'est bon. L'homme garde un squelette. Bon Dieu. J'adore cette expression. C'est clair, ouais. L'homme garde un squelette chez lui, conservé dans une grande vitrine en forme de tube. J'ose imaginer pourquoi, mais je suis sûr qu'il a ses raisons. C'est plus sans doute. Le squelette s'est animé, m'a remis un lingot d'or. Super. Ok. Ciao. On se barre. Ok. Mais c'est ça, genre tu te barres, t'es riche, c'est bon quoi, genre t'arrêtes. Bon, laquelle? C'est toi qui choisis. Hein. J'aime bien le placard. J'aime bien le placard. Ouais, écoute, vas-y. Allez. Alors. 3 sucreries, 3 oranges. Ah, bah, je les ai eu, les oranges. Ah, tout de suite, hein? Ouais. Ça parle de bouffe, encore une fois. Ah, j'ai faim. Ah, c'est que des sucreries, ça. Ouais, non, j'ai quand même faim. Ah, ouais, c'est des bonbons. Mais bon, t'inquiète pas, ça devrait aller. Je vais survivre. Quand même. Ah, il faut qu'on trouve une bougie. Tant mieux, on pourra cliquer à côté après. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quand je clique trop vite, il y a mon curseur qui se met à bouger dans tous les sens. Ah, la bougie, elle est là. Nice. Du coup, on pourra éclairer à côté. Enveloppe, elle est à peu près en haut de l'armoire, sur le deuxième rangée. Il y a un crâne, là. Il y a encore une sucrerie à trouver.
Mais alors, où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas ce qu'on connaît. Ah, l'orange. Oh putain, et voilà, la couleur. C'est parti. Non, je... ok. En plus, c'est okay. Une orange blanche. Hein. Blé. J'avoue, c'est pas cool. Non, il y a quand même des trucs assez simples à trouver. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré, ouais, entre les trucs simples et les trucs pas simples. Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours des trucs, c'est un peu chose, genre crochet. Qu'est-ce... Est-ce que c'est un vrai crochet ou pas? Parce que par exemple, si tu regardes en bas à droite, t'as des perles qui forment un genre de crochet, tu vois. Mais est-ce que c'est ça? Non, je pense pas. Je pense pas, tu ça vois. Ça doit être un vrai crochet. Ah, c'est ça? Oh là là. Ok. Ok. Et j'ai trouvé une autre croix qui est aussi bâtarde, c'est sur l'autre pendant de qui s'est ouvert. Ah oui, là. La bordure. Oh là là, putain. Ouais. Croix gravée. Il y a des trucs petits, ça c'est vrai. Mm. Par contre, fille. Je ne sais pas trop. Peut-être que le lapin, c'est une lapine. Ah non, c'est ça. C'est une statue. Et en quoi? Sucrerie. Elle doit être toute petite. Ouais. Ah, c'est ça? Ah oui. Ouais. Je bouffe pas ça, moi. Si, c'est un petit truc en chocolat. C'est... Bref. Ouais, ok, je boufferais ça. Testeur. Ouais, y'a un truc là. Un verre ferait du bien. Peut-être un moment, fils d'accord. Okay. Bon, en vrai, il verra rien. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. C'est ça. Mais en vrai, ton briquet, il est encore cassé, non? Il te manque encore un. Il te manque un récipient ou un truc comme ça, je pense. C'est qui a acheté un caillou par la fenêtre et puis qui a pété le truc, là? J'avoue, je sais pas, mais c'est pas sympa. J'ai un autre moment de fire parce que je suis retourné dans l'antichambre. Quelqu'un a jeté une pierre par la fenêtre et est passé juste devant moi et a cassé le vase de Dupin. C'est lui qui fait le con autour de la maison, quoi. Mmh. C'est vrai que quelqu'un tente de nous intimider, mais les menaces ne font pas peur. Ouais, non. Ouais, nous intimider alors qu'on n'est même pas sur la scène de crime et tout, genre. Ça, ouais. Calmez-vous, quoi. Alors, on peut faire la bougie. Écoute. Essence. Non. Briquet. Ah, mais il faut faire le briquet. Ouais, c'est pour ça que je te disais, je pense qu'il manque un. Okay. Le corps du briquet, quoi. Ouais. Alors. Peut-être dans l'autre scène. Ouais. De merdier, c'est pas possible. Ouais, j'avoue, c'est quand même un peu le bazar. Moins que Christophe, mais... Christophe était quand même une perle dans son domaine. Quelque chose, ouais. Trois boulons, oh là là. Il y a des bagues aussi à trouver. Ouais. J'ai vu une pipe, comme ils en mettent partout, mais c'est pas un objet à trouver. Deux notes. Attends, je vois rien. Si, il y a un œuf en plein milieu. Ah oui. Sur le truc, voilà. Morceau de cisaille? C'est quoi ça? Pour moi, les cisailles, c'est des trucs pour couper du... C'est dans le jardin, quoi. Ouais. Mais morceaux, c'est quoi ça? Ah, du coup, ça va être des bouts. Ouais. Des bouts à trouver. Ah, une bague tout au milieu, à droite. Au-dessus du signe de l'infini. Ah, oui. Ah, faut ouvrir, là. Ah. Vas-y, hein, ouais. Coup de fouille. Là aussi. Tu vas demander cette cisaille que tu avais trouvée. Ah, c'était ça. Comme quoi. Ah, deux notes. J'ai pas vu une boule. Pour moi, t'en as un tout en haut. Un peu vers la gauche. Ah oui, là. Et ils sont sombres en même temps. Ouais. C'est pas un objet à trouver, mais t'as un lapin tout en bas. Je crois. C'est moi qui l'ai écrit. Ah oui. Petit lapin. T'as du poireau dans les bouteilles vides aussi, genre, apprends à faire le ménage, gars. C'est clair. Lunettes? Ah, oui, boulon. Sur la caisse, au milieu, en fait. Genre, t'as le gros pied de statue, à côté t'as un pion, ah, oui. Et à côté t'as un boulon. Et brique en dessous de du pied. Du pied. Ah ouais, au moins, on sait ce que c'est. Le dernier boulon, il est en dessous, sur le meuble rouge. Ah oui. Ah, il est gros. Non, il est plutôt mastoc. Fourchette. Ah, est-ce que c'est une vraie fourchette ou est-ce que c'est une fourchette du donjon chien? C'est une vraie. Ok, on a une moitié de cisaille, d'accord. On va aller loin avec ça. C'est quand on ira dans le jardin. C'est clair. Alors, On est à combien de temps du coup? Juste, j'ai pas le temps. On est à 26 minutes. Ok. Continue encore un peu. Mais on a toujours pas le truc de briquet. Ouais. Y'a plus rien là.
crois qu'on a a priori... C'est toi qui as la souris, donc j'avoue que c'est toi qui pourras voir. Parce qu'il y a un œil qui apparaît, mais... Ah, des fois, bah, ça scintille aussi, il y a des étincelles où on peut activer des trucs pour regarder. J'ai l'impression qu'on a pas prévu le tour. Ouais, je pense. On trouve peut-être cette pièce-là pour l'instant. Alors ici... Ah oui, dans le machin, on peut prendre ça? Non, on peut pas. Enfin, un truc à prendre. La mouche. Bien. Non, ça c'est juste... ok. Ouais, c'est juste tout cassé, tant pis pour toi, quoi. Ah! C'est quoi ça? Il semble que ce soit l'endroit idéal. Ah, pour un peu de bricolage. On peut faire ça. Ouais, mais tu peux pas... Ah, c'est... Ah oui, du coup, ah oui, c'est les vieux trucs, donc tu mets l'essence d'abord aussi. Ah ouais. Et tu sais, genre, ça va tremper dedans, quoi. Comment? Pour moi, le... Ah, c'est ça. Petit flacon... Le petit truc, voilà, va tremper dans l'essence. Ouais. Ok. Il a... Une fois qu'il sera trempé, il sera dans le réceptacle qui est à gauche, pour moi. Ok. J'ai jamais fumé, donc je sais pas. Non, tout ensemble, en fait, entre guillemets. Et ça là-dedans, hein. Ah non, ouais. Ouais, non, là-dedans, je pense. Et tu rajouteras le truc pour faire flamber après, sur le côté. Ah, ok. J'ai appris quelque chose, je sais pas. Ouais. On apprend à faire de la colle, on apprend à faire des briquets et tout. Ah, c'est magnifique, hein. Et là, on peut allumer ça, je sais pas. Et là, on peut l'allumer. Tant de complications, pas grand-chose. Mais va faire ça. C'est pas de ta fesse. Ouais, j'ai une blouse, ça n'avait pas de sa flamme. Oui, bah j'ai un briquet, putain. Voilà. T'es content? Ah! Pourriez-vous me passer le journal, cher ami? Non. Tu te démerdes. T'es chez toi, quoi. Journal. Esclave, donnez-moi mon journal. Merci. Oh là là. Alors. On va terminer en. Oui, beaucoup de lecture, là. Ouais. Alors, ce matin, vers 3h, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du premier étage d'une maison de la rue Morgue que l'on savait occuper en totalité par, je pense, Madame ouais. L'Espanet et sa fille, Mademoiselle Camille L'Espanet. C'est les mêmes noms que dans le bouquin. Ok. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec un pied de biche et 8 ou 10 voisins entrèrent accompagnés de 2 gendarmes. Cependant, les cris avaient cessé, mais au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au premier étage, on distingua 2 fortes voix, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Super. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient également cessé et tout était parfaitement tranquille. Le spectacle qui s'offrit aux yeux des témoins les figea non pas d'horreur mais de stupéfaction. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, 3 longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été violemment arrachées avec leurs racines. Le corps de Madame L'Espanet était toujours chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il avait été traîné et qu'il avait fallu employer pour la dégager. La figure portait quelques fortes égratignures et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait lieu par strangulation. D'accord. Mademoiselle Camille L'Espanet n'était pas dans la maison. Sous nos informations, aucun indice tangible n'a été trouvé. Donc la mère est morte et la fille a disparu. Ouais, c'est ça. En sachant que quand les voisins sont rentrés et qu'ils ont dû forcer, il y avait des cris de au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Peut-être plus. Peut-être plus. Ouais. Bon. Le sort de Madame L'Espanet est certes une tragédie, mais l'article du journal semble mettre quelque chose. Ah, qu'est-ce que t'as trouvé? C'est une tragédie, mais j'aime les tragédies. Il n'y a rien d'autre que ici pour suivre. Donc là, je pense qu'on a fini. On va sortir. Voilà. Il a arrêté de pleuvoir. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bon signe. Bon signe. Le cocher qui nous emmène à Paris est arrivé. C'est maintenant que notre enquête commence pour de bon et elle commencera dans le prochain épisode. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, c'était le petit chapitre de test pour voir si on était bon. Apparemment, il est content de nous. C'est ça. Pour l'instant, c'est prometteur en tout cas. Ouais. C'est sympa. Donc voilà, on va prendre le cocher, on va aller à Paris dans le prochain épisode. Ça marche. Donc bah, si vous avez aimé celui-là, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Salut.